Yahoo Bidibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne en rapport avec la K-pop, mais il se peut aussi qu'à un moment donné la J-musique, hein, ou... Voilà, je ne me limite pas forcément que à la K-pop. Toujours est-il que donc, à partir de cette vidéo et les 4 prochains dimanches, on va donc ouvrir à chaque fois dans la vidéo l'album... un des albums que je possède, donc j'en possède 5 albums de K-pop. Pour l'instant, en un an, je trouve ça déjà plutôt pas mal. Et je vais te présenter tout simplement comment est foutu l'album en soi. Comme ça, au moins, je me dis que, vu que rien que moi, le groupe que je préfère, je vais te mettre leur nom parce que je préfère éviter de dire le prononcer, vu que je ne sais pas du tout le prononcer. J'ai découvert que beaucoup de mes abonnés ne connaissaient pas ce groupe et qu'ils l'ont découvert un petit peu grâce à moi. Je me dis qu'au moins, tu peux voir à quoi ressemblent certains de leurs albums. Alors... je ne vais pas acheter tous les albums, je vais quand même rester assez raisonnable sur le nombre d'albums que je vais acheter par an, parce que tout simplement, il faut rappeler que je pars normalement dans 2 ans au Japon pour presque un mois, et que mine de rien, ça coûte vraiment un bras, hein, plus qu'un bras, même en fait, ça coûte un bras, une jambe et un rein, voilà. Donc, chaque fois, on va donc ouvrir un album, on va faire dans l'ordre que je les ai acquéris, et donc c'est parti pour le premier que j'ai reçu donc dans cette magnifique enveloppe à bulles. Je dis magnifique tout simplement parce que ça change au niveau de la couleur et surtout que c'est à bulles, donc c'était déjà naturellement protégé. Voilà. Alors il y avait des protections mais je l'ai déjà ouvert en vidéo pour te parler justement, te montrer mon premier album que je m'étais acheté. Donc bah voilà, il y a déjà plus, je crois il y avait une protection par dessus il me semble. Pour ce qui est du poster aussi, je l'avais présenté en vidéo, donc je pense que si tu veux le voir mieux, je t'invite tout simplement à aller voir la vidéo que je te mettrai en i. C'est sur l'album, je sais plus, beaucoup mieux montré au niveau de l'image en soi. Ensuite, voilà l'album. Il y en a deux au niveau des couleurs. Il y avait noir et il y avait rouge. Moi, j'ai pris rouge parce qu'au niveau du rendu des photos, je préférais. L'autre, on était que sur des photos en noir et blanc et ce n'était pas vraiment mon délire. Pour ce qui est de l'album, c'est leur dernier album ou avant-dernier parce que je crois qu'ils ont fait plus ou moins une espèce de compile récemment. Et bah voilà, c'est le dernier album qui est sorti l'an dernier. Nous revoici un petit dézoom plus tard et on va donc ouvrir l'album. Je pense que je vais principalement passer en musique parce que je n'aurai pas grand chose à te dire. Alors, en ce qui concerne la carte postale, on va dire, j'ai eu Ravi, ça tombe bien, c'est mon numéro 2. Et en petite carte comme ça, j'ai eu donc Hyuk.